Donc, on est de retour avec notre Makefile général. Je dois dire par contre que j'ai oublié de le faire dans la vidéo précédente. J'ai rajouté la variable TRG et $ TRG ici pour remplacer où est-ce que j'avais écrit tel quel exécutable.out. Exécutable.out était écrit plusieurs fois, donc ça c'est non. On n'écrit jamais la même chose plusieurs fois, à moins que ce soit un nom de variable. OK. Donc, c'est ça. Quand je fais make, ça ne marche pas. Pour la simple raison. J'ai bougé mes fichiers dans un dossier différent. Donc là, quand je fais wildcard étoile.c, ça ne marche pas. OK. Donc quand je fais make base, j'ai src qui est vide. Si j'arrive et je fais ici src slash comme ça. Bon. Premièrement, il arrive à compiler et ma fonction .c. Mais il y a un problème. Quand je fais gcc-o, je fais gcc-o exécutable.out et src ma fonction.o, src main.o. Mais si je regarde dans src, j'ai pas de ma fonction.o ni de main.o. Donc ça c'est parce que make base, mes fichiers objets, j'ai vraiment juste pris toutes les fichiers dans src et j'ai remplacé .c par .o à la fin du fichier. Donc ce que j'aurais dû faire, c'est je pourrais dire ici, je veux que tu t'appelles $ A commercial. OK. Fais make maintenant. C'est comme je voulais. OK, donc j'ai créé src slash ma fonction.o, src slash main.o. C'est parfait. Mais j'aimerais ça que. Donc en passant ici, j'arrêterai, je ferai un commit. Mais j'aimerais ça que mes fichiers .o, que le nom correspondant dans OBJ, que je prenne src slash ma fonction.o, src slash main.o, puis je transforme ça pour remplacer la partie src par build. Et j'utilise subst. Espace build src virgule build virgule une chaîne de caractères. Je vais faire le remplacement. OK, et là on voit que ma variable est ce que je voulais. Et là j'ai un petit problème. Parce que quand j'arrive pour faire, quand je regarde cette règle-là, ça dit, tu as un fichier .o à faire, ok? Tu as build slash ma fonction.o à faire, ok? La règle pour ça, c'est tu utilises %.c, mais là le pourcent c'est build slash ma fonction. Donc il essaie de faire ma fonction build slash ma fonction.c. Ça marche pas. Donc ici, on va lui dire tu prends build slash %.o et tu utilises pour ça src slash %.c. OK. Donc, moi, les seules règles que j'avais, c'est %.c. Alors, j'avais pas de règles pour construire build slash ma fonction.o. OK. Donc, là, pour faire. Bon, donc là, j'ai fait mes règles. J'ai fait ma construction dans build. Je peux faire un commit. Et là, si je fais rm, je vais adapter mon clean. Donc, je vais faire rm-rf
field/étoile.o et rn-rf. Non, ça j'ai plus besoin. Build/étoile.o, c'est tout. En fait, j'ai plus besoin de ça. Je vais enlever les fichiers.o de src, rn-src/étoile.o, parce que mon clean va plus le faire. Et là, je vois que mon dossier revient propre. Donc, je fais make encore pour me convaincre que même à partir d'un clean, tout va bien. Ok. Donc, notre makefile il est beau, mais il pourrait être plus beau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre des variables ici qu'on va définir. Je vais mettre src dir égal src. Ici, je vais mettre ici $ src dir. Ouais, je prends ça c'est la variable src. Ici, je vais changer dir src dir. Comme ça, maintenant, si je décide de changer la structure de mon projet, j'ai seulement à changer ces variables. Ok, make. Ok, donc j'ai bien fait mon affaire, je suis prêt pour un commit. Mais je saute ces étapes-là parce que moi j'ai déjà fait des commits. Juste être sûr que tout est là. Oui. Ok. Mais là, il me reste une petite étape et c'est là qu'on va commencer à voir les flags de compilation. Donc, je vais créer un dossier qui va s'appeler include et je vais bouger ma fonction .h dans include. Slash ma fonction point h dans include et oui c'est ça donc là j'ai bien fait et là si je fais make oups donc là il n'a pas trouvé donc dans main donc c'est ça include là ici qui ne fonctionne pas. La solution à ça c'est que quand on est à l'étape de compilation c'est là que donc c'est à l'étape de compilation que l'include sont résolus. Donc ça veut dire que si vous avez une erreur qu'un include il trouve pas le fichier, c'est pas une erreur de linking, c'est une erreur de compilation. C'est important de savoir la différence parce que ça va vous dire où regarder. Est-ce qu'on regarde cette ligne-là ou on regarde cette ligne-là? Donc la réponse c'est ici. Et on va dire tiret i point slash, Donc tiret i et on lui donne un nom de dossier où est-ce qu'il va regarder pour des fichiers point h quand il va bien tout. Et voilà, ça marche. Ok. Donc, avant de finir, donc c'était la dernière chose que je voulais couvrir. Donc, on a pour ce qui est d'avoir un dossier, un projet séparé en dossier de façon générale, il reste juste une affaire. Point slash include, j'aimerais ça qu'il soit de mon fichier.
Donc, on va faire la chose qui est standard avec les makefiles. On va mettre save flags ici et on va se créer une variable qui va s'appeler save flags pour le langage C. Et mettre -i.slash include. Mais c'est pas tout. On pourrait dire que notre projet, on veut que sa structure soit reflétée dans les variables src-dir, build-dir et inc-dir égale .slash include. Et ici, on va mettre $ include. Et après ça, donc l'idée de ces flags, c'est qu'après ça, on pourrait rajouter d'autres flags, comme on pourrait mettre -w all pour dire à GCC de nous produire des warnings quand on fait des choses qu'on ne devrait pas faire, comme des variables locales qu'on n'utilise pas ou d'autres choses comme ça. Donc, oups, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Ok, je vais aller ici, je vais mettre. Flags égale c flags make avance c flag et ah tu vois j'ai pas mon include dans c flag pourquoi? Ok c'est parce que j'ai mal écrit mon flag ici. Ah ok make ok super. Je vais le laisser là, le wall, parce que en fait, si vous faites un makefile, vous devriez toujours avoir wall. Puis même, bon, il pourrait y avoir d'autres warnings que si vous êtes fait, si vous êtes tiré dans le pied à cause de quelque chose qui aurait pu éviter par, être évité par un warning, mettez-le là. Donc, résumé notre makefile, on a des variables ici qui donnent la structure de notre projet. Et ici, bon, mais ça c'est des variables internes. Disons que SRC obligé, ça va être des variables internes, mais TRG, ça va être à nous de le décider. Donc, ces flags est en haut, ça serait nous qui le modifie, et ce qui est en bas, ben, c'est général, on n'y touche plus. Ok, donc c'est tout pour cette partie-là.